Ça fait d'être de retour dans le monde des vivants. Ne vous en faites pas. Je suis médecin. Enfin, médecin légiste. À l'origine. Vous pouvez m'appeler Deadman. On va dire que je connais bien les morts. Enfin, pas autant que vous. Malgré le nom que je porte, je n'ai jamais vraiment été mort. Ce ne serait pas une bonne idée de faire ça. C'est pas vraiment mon domaine, mais je peux vous dire qu'elles sont là pour votre protection. Regardez. Est-ce que je suis prisonnier? Ce ne sont pas de vrais monotes. Ce sont des appareils high-tech qui nous relient tous les uns aux autres. Qui nous? Ah, je vois. Eh oui, Bridges. La plus grande chance qu'il reste à l'humanité d'avoir un avenir. Ou d'éviter l'extinction, si vous préférez. Super. Où est-ce qu'on est? Quelle heure il est? Regardez bien. Essayez de l'appuyer contre votre peau. Comme ça. Détendez-vous. Ça veut seulement dire que votre corps s'est bien connecté aux monotes. Tenez, vous voyez? Les monotes, elles veilleront sur vous 24 heures sur 24. On sera joignable tout le temps pour vous aider, Sam. C'est pas possible. Ça fait 2 jours. Puisqu'on vous avait sous la main, on s'est octroyé la liberté de prélever des échantillons de fluide sur vous. Vous êtes un rapatrié, ce qui vous rend vraiment particulier. Qu'est-ce qui est arrivé au gars de l'IM ? Il ne reste rien de la ville relais centrale. Elle a été annihilée. Game over, tout le monde. Ce n'est plus qu'un énorme cratère. Les deux seuls qui ont le droit de rejouer, c'est vous, vous savez bien pourquoi, et votre bébé hors service. Est-ce qu'il va bien? Il a été envoyé pour destruction. Il ne fonctionnait plus. Pourquoi le garder? On a perdu tellement de monde. Pas uniquement l'incinérateur mortuaire, mais mon équipe. Le siège aussi, Vredefort tout entière. Tous ceux qui se trouvaient à la ville relais centrale. Actuellement, on est dans la base de la capitale relais. Mais je devrais dire, dans notre nouveau siège. Sudbury s'est imposé comme le meilleur des choix. Mais l'équipe d'implémentation s'est fait entièrement décimer. Et de toute façon, en 2 jours, on n'a pas vraiment le temps de faire grand-chose. La situation est très confuse. Enfin, heureusement, le directeur ainsi que son équipe étaient en déplacement à ce moment-là. Donc la chaîne de commandement n'en a pas été affectée. Ça m'ennuie de vous demander ça si tôt, mais j'ai une mission pour vous. Oh. Cette main négative, vous l'avez depuis votre rapatriement? Et cette autre marque, elle vient d'où? D'une femme tactile, dans une grotte. Je vois. Enfin, une phosmophobie, hein. Pas étonnant que vous alliez tout seul dehors. Personne ne peut vous toucher. Je tâcherai de faire plus attention, Sam. Donc, la mission est une livraison urgente. Il va falloir que vous apportiez de la morphine à la présidente. Quelle présidente? Il n'y a plus d'Amérique. Vous voulez parler de la mère de Centrale? Non, pas la mère, Sam. L'Amérique est belle et bien vivante. Notre présidente est atteinte d'un cancer en phase terminale. Son état est critique, mais il nous reste du temps. Pourquoi à moi?
Écoutez, Sam, faites donc ce que je vous demande et vous verrez que tout s'expliquera. Vous avez qu'à le faire. En fait, je ne suis pas vraiment là. Toutes mes excuses. Ce que vous voyez n'est qu'un chiralgramme. Ah, c'est pas vrai. J'ai les yeux qui pleurent. C'est une réaction allergique à la transmission chirale. En fait, je me trouve actuellement dans le grand bâtiment triangulaire dans le service d'isolement. Ah, la morphine que vous devez livrer. Vous êtes officiellement lié par contrat à Bridges, Sam Porter. Non, arrêtez. Il y a de la morphine là-bas. À quoi ça rime? Dites-moi la vérité. Pour tout vous dire, Sam, la dernière présidente des États-Unis demande à vous voir en personne. Est-ce que vous comptez vraiment lui refuser ça? Bonne décision. J'attends donc votre arrivée au service d'isolement. Accès autorisé. Bienvenue, Sam Porter Bridges. Demande de livraison pour Sam Porter Bridges. Transport de morphine jusqu'au service d'isolement pour administration immédiate à la présidente. Si vous êtes perdu, le service d'isolement devrait vous sauter aux yeux. Si ça peut aider, vous pouvez ajouter des repères et définir des itinéraires. Faites un essai, vous verrez ce que je veux dire. Vérifiez que vous allez bien dans la bonne direction. Consultez votre boussole. Ça vous évitera de vous perdre. Enfin, à condition que vous ayez une destination, évidemment. Le relais central n'abritait pas seulement le siège de Bridges. Il abritait également le siège du mouvement reconstructionniste. Si la présidente n'avait pas eu besoin de soins particuliers, elle ne serait jamais partie. Et du coup, nous non plus, on ne serait jamais partis.
vitesse et constante penchent toutes dans le même sens. Aucune chance qu'elles s'en sortent? Malheureusement, non. Aucune. Très bien. Sam! C'est moi, Deadman. Pardon, c'est l'habitude. Je crains que l'état de santé de la présidente ne soit encore aggravé. Merci. Ça devrait la soulager un peu. Et vous permettre de vous entretenir avec Bridget avant qu'elle ne s'en aille. Bridget? Bridget Strand, la première et dernière femme à la tête des États-Unis. Vous vous en souvenez forcément. Elle vous a élevé. C'est pas une tenue idéale pour les retrouvailles. Devriez retirer ça avant d'entrer. De la présidente et le directeur de Bridges. C'est Dyer Mann. Oh, vous avez connu Bridges 1. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de faire les présentations. Ça faisait longtemps, Sam. À peu près 10 ans. Regardez-nous. Des erreurs de la nature qui se retrouvent comme ça. Enfin, passons. Le plaisir est partagé. Elle vous attend. C'est votre mère. Bridget. Elle n'est plus tout à fait elle-même. Mais je suis sûr qu'elle vous reconnaîtra. Nous avons fait venir Sam. On va vous laisser vous retrouver. Sam, je savais que tu reviendrais. Dis-moi comment tu vas. Je sais à quel point tu me détestes. Amélie. Quoi, Amélie? Tu te souviens qu'elle est partie pour l'Ouest? La traversée lui a pris 3 ans. Elle s'efforce de reconstruire le pays. On en est donc toujours au même point. C'est à toi que je voulais confier cette mission. Le temps joue contre nous. Il faut que tu aides Amélie, elle a besoin de toi. Vous devez nous reconnecter les uns aux autres. Vous pouvez rassembler tout le monde.
Sam, si nous n'arrivons pas à nous unir, l'humanité ne pourra jamais s'en relever. On n'a pas besoin d'un pays. C'est plus la peine. Bien sûr que si. Tout seul, nous n'avons aucun avenir. Moi, je crois que l'Amérique est foutue. Ouvre un peu les yeux. T'es la présidente d'un souvenir. Je t'en prie, Sam, écoute. Non. Tu... Mais alors, tu es prêt à m'aider? C'est pas parce que je... Je t'attendrai sur la grève. Madame la Présidente. Oh. Non. Je suis là. Allez. Docteur, on a besoin d'aide. Il me faut tout le monde. Elle fibrille. Donnez-moi 150 millilitres. Elle ne réagit pas. Restez avec moi. Il n'y a pas de temps. Faut qu'on ralentisse. Accrochez-vous. On la perd. Écoutez, personne ne doit savoir que la présidente est morte. Si quelqu'un l'apprend, c'est la fin de Bridges. Alors ce qui s'est passé dans cette pièce ne doit pas en sortir, c'est clair? C'est très clair, monsieur. Mais il reste le problème du cadavre. Sans incinérateur mortuaire... On a une autre solution. Sam, la présidente a conclu un contrat avec vous avant de mourir. Qu'est-ce que vous racontez, là? Vous êtes membre de Bridges. Vous allez participer à la reconstruction de l'Amérique. Vous croyez pouvoir me recruter, comme elle a essayé de le faire? Elle y est parvenue. Votre poignet. Si ça, ce n'est pas symbolique, alors qu'est-ce qu'il l'est? Pardon, monsieur. Je vous rappelle que le cancer s'était répandu dans tout son corps. Le don d'organes est parfaitement inenvisageable. Quant à l'autopsie, elle serait inutile. Il va falloir incinérer sa dépouille avant qu'elle ne se nécrose. Autrement, cet endroit laissera place à un nouveau cratère. Qu'est-ce que vous attendez de moi? On n'a malheureusement aucun porteur sous la main. Quant aux IM de la dernière fois, vous ne l'avez pas oublié. Ils sont morts. Mais le corps de la présidente doit être incinéré. La route entre la capitale relais et l'incinérateur a été engloutie dans la néantisation. La seule façon d'y aller, c'est à pied, par la montagne. Mais la densité chirale est hors norme dans la région. Donc il y aura des échoués. Cette mission peut seulement être confiée à un rapatrié, porteur du Dooms. Ouais, moi quoi? Mais pourquoi? Sam, vous êtes déjà en mission.
Cette mission est pour vous, Samuel Porter Bridges. J'aimerais dire quelques mots. La présidente Strand avait foi en la reconstruction de l'Amérique. Elle a travaillé d'arrache-pied pour réunifier cette nation. Et sans elle, Bridges n'existerait pas. Pour ses obsèques, elle mérite qu'on lui rende honneur. Mais on ne peut pas se le permettre. Si elle meurt, l'Amérique meurt avec elle. Si elle disparaît, alors Bridges ne s'en relèvera pas. Écoutez. Nous devons impérativement faire en sorte que sa crémation ait lieu dans le plus grand secret. Mais si on y arrive, qu'est-ce qui se passe après? Qui va la remplacer? C'est foutu. L'Amérique est foutue. Non, Sam. L'Amérique n'a pas encore disparu. Il vient juste de dire le contraire. Faudra savoir. C'est un fait. Elle nous a quittés. Mais il nous reste quand même encore une Amérique digne d'être présidée. Vous êtes sérieux? Vous reparlerez de ça plus tard. Ce qui importe, c'est de terminer le travail que votre mère a commencé et de tout faire pour reconstruire l'Amérique comme elle le voulait. C'est pour cette raison que Bridges a vu le jour. Alors je vous demande de faire le premier pas, Sam, et d'aller déposer le corps de la présidente à l'incinérateur. Si nous n'arrivons pas à nous unir, l'humanité ne survivra pas. C'est à toi que je voulais confier cette mission. Le temps joue contre nous. Je t'aime, Sam. Je t'attendrai sur la grève. L'incinérateur se trouve au sud-ouest. Surtout, n'oubliez pas que vous devrez traverser le territoire échoué. Le bâtiment a été construit le plus loin possible dans les montagnes pour pas que la matière chirale contenue dans la fumée n'atteigne la ville. Ce sera pas du gâteau de transporter un corps jusque-là. Nous garderons un œil sur vous en permanence. S'il vous arrive quoi que ce soit, nous vous aiderons par l'intermédiaire des menottes. Sam, je ne pense pas qu'il soit vraiment nécessaire de vous le rappeler, mais vous savez, chaque minute compte quand vous transportez des cadavres à détruire. Il ne leur faut pas plus de 48 heures après l'arrêt du cœur pour se nécroser et devenir des échoués voués à nous gâcher la vie. Thank you.
présidente Bridget Strand était le symbole du reconstructionnisme américain. Le pays avait beau avoir volé en éclats et ses habitants avoir été dispersés aux quatre vents, elle n'a jamais cessé de croire qu'ils pouvaient être réunis. Le peuple s'est accroché à l'espoir que l'Amérique renaîtrait de ses cendres, car il croyait en Bridget Strand. Nous croyons fermement que ce pays peut être reconstruit. L'Amérique est toujours en vie. Et l'esprit de Bridget restera parmi nous. Scan de l'identifiant Bridget. Vérification de l'identifiant. Accès autorisé. Cadavre détecté. Veuillez placer le cadavre dans l'incinérateur pour destruction immédiate. Une bonne journée. You're a part of me and I'm a part of you.
you're a part of me and I'm a part of you. Yes, you're a part of me and I'm a part of you. Continue à t'accrocher, mon petit Sam. Juste devant.
Alors c'est là. Qu'est-ce que c'est? BB-28. C'était l'unité attribuée à Igor. Il était relié à vous quand on vous a trouvé dans le cratère. Mais pourquoi il est là? Parce qu'il doit être incinéré. La ville relais centrale a disparu et notre siège avec elle. Tout ça parce que ce truc n'a pas fait son boulot. Tout est consigné dans les rapports d'Igor. Je vous signale qu'il est encore en vie. Pas le réparer. Et il ne survivra pas en dehors de la capsule. Inutile de s'apitoyer sur son sort. La décision a été prise. Il doit disparaître. Le directeur a approuvé l'ordre. Thank you.
perdu à cause de cette foutue coupure. Alors Sam, où est-ce que vous en êtes? La densité de pyralium n'arrête pas d'augmenter. Je suis dans la merde, voilà où j'en suis. Il y en a partout. Ça vient sûrement des corps qu'on n'a pas pu conduire à l'incinérateur à temps. J'ai peur qu'il n'y ait pas grand-chose à faire pour empêcher ça à cet endroit. Vous pouvez attendre la fin de la pluie? Non, je crois pas. Ils approchent de ma position. Faut que je parte avant qu'ils détectent ma présence. Sam, si une de ces choses vous dévore, ça provoquera une néantisation. Vous en échapperez, c'est sûr. Mais de toute cette zone, il ne restera plus qu'un énorme cratère. Je crois que j'ai une idée. Marcher en fait. Restez discret et avancez avec prudence.
Quelqu'un m'entend ? Boé ! Ça, c'est pour toi. Merci pour couler. Bonne journée. Ça, c'est pour toi. Scan de l'identifiant Bridges. Vérification de l'identifiant. Accès autorisé. Accès autorisé. Bienvenue, Sam Porter Bridges. Bienvenue dans la capitale relais. Continuez jusqu'au centre de distribution.
Sam, revenez au centre de distribution. Vous le trouverez grâce à votre boussole. Sam, je croyais pourtant vous avoir dit qu'associer le Dooms et les bébés était dangereux. Une douche vous ferait sûrement du bien. Vous êtes encore couvert de chiralium. Il faut pas que la présidente vous voie comme ça. Mais de quoi est-ce que vous parlez, là? Elle est morte. Vous êtes contrarié. C'est à propos du bébé 28. Trouvez-vous un autre larbin, parce que moi, je vous emmerde. En tout cas, quoi que vous décidiez, sachez que vous lui avez sauvé la vie. N'importe quoi. C'est lui qui nous a sauvés, y compris vous. Restons-en là. Je vais m'occuper de lui, maintenant. Vous saluerez la présidente pour moi. Il va bientôt être l'heure d'y aller, Sam. Tiens, c'est un attrape-rêve.
Porte-le quand tu iras au lit et j'empêcherai les cauchemars de t'approcher. Je resterai toujours avec toi. Là, c'est exagéré. Faut croire que j'ai plus droit à mon intimité. Non. Sauf quand vous prenez une douche ou vous allez aux toilettes. J'en déduis donc que vous étiez sous la douche. Bien. Venez dans le bureau de la présidente dès que vous aurez fini. Elle vous y attend. Vous avez assuré, Sam. Merci. Bridget n'est plus parmi nous aujourd'hui, mais son héritage a une chance de lui survivre. Écoutez-moi, Sam. L'Amérique, la reconstruction, son rêve n'est pas mort. J'en ai rien à battre. Voici l'incarnation de notre espoir, de notre nouvelle Amérique. Amélie ? Ma mère n'est peut-être plus là, mais je la représente. Quant à toi, Sam, tu es venu jusqu'à nous. Vous ne vous étiez pas revus depuis 10 ans, c'est ça ? Et malgré le temps qui a passé, elle n'a pas pris une ride. Il sait pourquoi. Mon corps est toujours sur la grève. Voilà pourquoi je ne vieillis pas. Toi aussi, en revanche, Sam. Tu as belle allure. Alors comme ça, c'est du sérieux. Tu veux vraiment reconnecter tout et tout le monde.
Il faut bien que quelqu'un succède à Bridget, Sam. Et plus important, il faut que quelqu'un perpétue l'héritage qu'elle nous a laissé et rebâtisse notre pays. Samantha America Strand, la nouvelle présidente. Un tout nouveau départ pour notre peuple, pour notre nation. Grâce à l'impulsion d'Amélie, nous allons donner naissance aux UCA, c'est-à-dire aux villes unies d'Amérique. Voilà comment nous ferons pour rebâtir notre pays. Mais nous ne pourrons pas y arriver sans votre aide, Sam. C'est non, ça m'intéresse pas. Je vous ai fait mes adieux à tous quand je les ai faits à Bridget. Tu sais bien qu'on ne t'a jamais oublié, Sam. C'est toi qui as fui et qui nous a laissés sans nouvelles. Amélie a mis sur pied une expédition. L'élite de Bridges 1. Pour partir vers l'ouest. Je leur ai fait éviter les cratères et le territoire des échoués. J'ai protégé leurs arrières pendant qu'ils cherchaient des survivants. Pas un seul échoué ne lui a échappé. Elle les voyait venir à des kilomètres. On a persuadé les gens de rejoindre les UCA les uns après les autres. Et certains d'entre nous sont restés sur place pour les aider. Ça nous a pris 3 longues années. Mais on a finalement réussi à atteindre la ville relève frontière. Vous êtes arrivés au Pacifique. Incroyable. Oui. Mais là-bas, tout a dégénéré. L'équipe a été décimée. Et Amélie, capturée. Capturée. Je ne suis pas retenue dans une cellule ni ligotée, rien de ce genre. Je peux utiliser leurs installations et communiquer avec vous autant que je le souhaite. Mais je ne peux pas quitter la ville. Tout ça parce que ces types veulent que la ville relais frontières reste indépendante. C'est ce que disent ces ravisseurs, en tout cas. Ils exigent que les UCA les laissent tranquilles. Amélie et leur filet de sécurité au cas où on ne serait pas d'accord. C'est qui déjà, ces connards ? Homo Demens. Des militants séparatistes. À la tête du relais frontières. Je vois bien qui c'est. Une bande de terroristes qui tuent des gens dans les villes pour créer des cratères. C'est ça. Ces types bravent tous les interdits, et les néantisations, ça les amuse. Vous croyez que c'était eux derrière l'attentat suicide de la ville relais centrale ? Ça se pourrait. On trouve des extrémistes de ce style un peu partout, en train de comploter dans l'ombre. Ils ne peuvent pas être centralisés. Il n'y a pas une organisation qui les dirige tous. Seulement une idéologie commune. Je sais que tout le monde ne partage pas la vision que nous avons de l'avenir. Si nous, les Américains, n'arrivons pas à tous nous unir, l'humanité ne survivra pas. J'ai véhiculé le message de ma mère auprès des habitants du pays tout entier. Tout le monde n'était malheureusement pas prêt à l'accepter. Ils ont été nombreux à choisir de rester déconnectés, isolés du monde, indépendants. Comme vous, Sam. Ils sont convaincus que l'Amérique ne peut être rebâtie que par la force, par des hommes qui leur diront quoi faire, qui les priveront de leur liberté et qui leur mettront des chaînes. Et vous m'avez mis quoi, là, hein ? Vous valez pas mieux que les démons, une secte parmi tant d'autres. Sauf que ce ne sont pas des chaînes, Sam. C'est un symbole de nos liens. C'est ce qu'il nous faut dans l'immédiat, non pas rester isolés, mais tous nous rassembler, former des réseaux Kiro et nous reconnecter. Nous voudrions que vous partiez pour l'Ouest, pour terminer ce qu'Amélie a commencé. Les personnes qu'elle a laissées en cours de route font tout ce qu'elles peuvent pour mettre en place des terminaux pour le réseau. Pour le moment, ces terminaux sont totalement isolés. Votre mission sera donc de les activer. Pour y arriver, vous aurez un Cupidon. Cet objet contient tous les protocoles de sécurité et de fonctionnement nécessaires pour intégrer un terminal au réseau Kiral. Emportez-le vers l'ouest, Sam, et reconnectez les habitants de notre nation. Et quand vous atteindrez le relais frontière, trouvez Amélie et ramenez-la chez nous.
Quand je reviendrai, j'assurerai la présidence et je poursuivrai le travail de ma mère pour réhabiliter le pays. C'était la dernière volonté de Widget. C'est comme ça que nous pourrons aller de l'avant. Je t'en prie, Sam. On a besoin de toi. Je m'appelle Sam Porter Bridges. Je suis pas un Strand. Je fais même pas partie de cette équipe. Vous vous en êtes assuré. Je m'engagerai pas envers vous, ni personne d'autre. Ça n'arrivera plus. Non, attends. Tu vois, c'est comme si j'étais pas là. Ça a toujours été comme ça. Sam! Sam! Ne partez pas! Attendez! Écoutez-moi, l'Amérique dépend de vous deux. C'est pas en recouvrant le monde de câbles qu'on met fin à la guerre ou à la souffrance. Soyez pas trop surpris quand ça va foirer. Ce sera pas la première fois. Non, franchement, vous tournez en boucle, hein. Connectez, reconnectez, c'est pas aussi simple. Ça va, Sam. J'ai compris. Calmez-vous un peu, c'est très clair. On ne vous demande pas de vous engager aussi vite. Vous avez besoin de repos. Ça ne fait aucun doute. Le sommeil, c'est vital. Si vous ne vous reposez pas, vous risquez surtout de vous reconnecter à l'autre côté. Tout l'entretien nécessaire a été effectué. Et on a fait quelques ajustements et réglages, rien que pour vous. Le revoilà comme neuf. On peut dire que c'est rare de voir le Dooms et les bébés faire bon ménage comme ça. J'ai comme l'impression qu'il y a une certaine affinité entre vous deux. Je me trompe ? Sam. Écoute, ton nom est Sam Strand. Non, c'est faux. Plus maintenant. Je m'appelle Sam Porter Bridges. C'est un drôle de mot, Strand. En anglais, c'est un lien ou le brin d'une corde. Mais stranding signifie s'échouer sur le rivage. Et lorsqu'on est échoué, on ne peut pas rentrer chez soi. Je me trouve dans cette situation. Échoué sur le rivage du Pacifique. À des milliers de kilomètres de toi. Mais notre lien est toujours aussi fort. Tu es libre, mais nous sommes liés l'un à l'autre. Tu ne peux pas dire le contraire. Rejoins-moi, Sam.
Attends! Bonjour, Sam. Sam, ici Die Hardman. Vous avez dormi comme une souche. Vous deviez être épuisé. Les chambres privées sont dotées des commodités de base. Douche, toilette, etc. Utilisez-les pour vous reposer, inspecter votre matériel, consulter des informations ou ce que vous voulez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au personnel. Mais avant, pourquoi est-ce que vous n'iriez pas jeter un coup d'œil par vous-même? Allez donc voir comment Bridges fonctionne. Grâce à ce terminal, là, vous pouvez consulter la base de données de Bridges, qui est une mine d'infos sur tout un tas de sujets. Vous n'avez pas accès à tout, mais il y a beaucoup de choses qui pourraient vous servir dans vos pérégrinations. Soon this thing will pass. But names can dig so many graves, you won't know where to stand. And I don't feel secure no more unless I'm being followed. And the only way to hide myself is to kill the hell of the show. How do I form a connection where we can't even shake hands? You're like a phantom greeting me. We plot in the shadows, hang out in the gallows, stuck in a loop for Give me a break.
Sam, ici Deadman. J'ai calibré votre bébé en fonction des données physiologiques qu'on a collectées sur vous un peu plus tôt. Ça reste quand même approximatif. Quand vous aurez fait un tour avec, on vérifiera si vous êtes bien synchronisé et on ajustera la sensibilité du bébé en fonction. Déjà vu, non? C'est moi qui dirige les opérations de livraison, la maintenance et les réparations. Contente de vous avoir parmi nous. Je suis Mama, au cas où je ne l'aurais pas déjà précisé. Ce que vous voyez là, ce sont des liens. Ils ne servent pas uniquement à l'emballage, mais aussi à l'identification. Regardez de plus près, vous verrez. Vous voyez le rouge là? Eh ben, c'est votre sang. Kuchihatetemo samayou yami no nakate kimi o aishiteru kizamu ippaku no eien o uta no nakate